va? Voilà. Bonjour. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on s'en va. Où est-ce qu'on va? En Chartreuse. Ouais, en Chartreuse, là-bas. Et on va pêcher la truite. Va à la montagne. On va à la montagne pêcher la truite. Donc, Attends, on va mettre la bretelle. On va mettre la bretelle. C'est fait du presque, ouais. Bon, ça va, l'été assez long. Ouais. Bon, ben, on y va et puis on vous montrera tout ça tout au long de la journée. Allez, à tout à l'heure, les copains. Alors, on s'enfonce dans le bois avec le copain Jean-Pierre, là, et on s'approche tranquillement du ruisseau qu'on doit. Ah, il dit comme un zir. Ça doit vouloir dire viens par ici, je crois. Donc, eh ben, je viens des. Et puis on va voir un peu ce que ça donne, ce ruisseau encaissé au fin fond du trou de la vallée, là. Voilà, on a trouvé le ruisseau. Donc il se cache par là derrière, dans les bois. Et bon, c'est bien encaissé, hein, c'est à l'abri de la lumière et tout, là. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors pour le matériel, ben, classique, quoi. Canefi, Vivatoc, nylon... 12 centièmes de la Coste Rouge, des guides fils de chez PSM, et puis bah, la plombée là ça va être un peu léger quand même vu le niveau d'eau, donc c'est 3 plombes 8. Voilà, avec ça on devrait faire du poisson. On va commencer là. Je sais pas si le chien va pas prendre la truite avant que tu la sortes. Vu comme il patauge dedans. On a dit qu'on faisait pas les imbéciles. Ébaillé. Bon, non. Le sous-bois est sympa, les autochtones font un peu peur, quoi, mais sinon ça va. Ah, il fait le sportif avec le chien. Mais je sais pas lequel des deux va se fatiguer le premier, mais je pense pas que ça sera le chien. Même si le chien patauge des fois, on arrive à faire quelques petites truites, mais elles sont vraiment pas grosses. Hein. Un peu moins timide ici peut-être les truites, mais attention, hein, c'est des monsters de chez Monster. Hein. Elle est où? Elle est pas mal. Bon, ben voilà. Je mets en route la centralisation. Voilà. Lève-glace électrique. Là. Bon, ben voilà. On a fait une petite pêche, toute petite pêche, dans un ruisseau. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Les poissons plus grands. D'ailleurs, on était même. On avait tout prévu au cas où. On avait laissé le bateau là, si on ne sait jamais. Finalement, on n'a pas eu besoin du bateau. Et ben là, putain, on a bien crapahuté, alors on va aller se casser un petit bout de route. On vous montre ça dans quelques instants. Voilà, hop, une petite vidéo de l'endroit vers lequel on mange. Bon, là, je suis ben, toujours, hein, on le voit derrière, là-bas, Jean-Pierre. Et on est donc en Chartreuse. Ding, ding, mon téléphone, Facebook, annonce un message. Voilà. Et puis donc, on est venu... on a un joli petit pont et puis une petite rivière là
un truc sympathique pour venir manger au bord de l'eau, à l'ombre, faire un beau petit casse-croûte. Après cette matinée pêche, donc on s'est prévu un petit casse-croûte, donc pour meunier maison, patate du jardin, cochon maison, quelques petits alcoolos, pas grand-chose, du lard et du jambon maison bien sûr, bon, une tome de hyène, un peu de bière, un peu d'Auguste, une petite quiche, du pain, enfin bref. Et puis ben, j'ai de quoi faire manger, quoi. Il y a lui qui va tout manger. Voilà. Mais on... il y a le lot là-bas. Il mange la quiche. Oh. Voilà. Là, dans notre assiette, on n'a que des produits naturaux. Hein ? Du lard, les pormeniers faits maison, de l'air, les patates du jardin, maman. On a l'Alsacien aussi, mais lui, ça compte pas. Voilà. Il se régale. Lui, il aime bien ça. Hein? Ah, tu trouves bon ça? Ah, tiens, goûte! Ah, c'est bien. On s'est pris ça pour... ça va pas mal avec notre petit plat de quoi? De pauvres. Ouais, de pauvres, ouais. C'est vrai que c'est que des patates, quoi. Des patates. Avec des légumes dans du bouillon de porc. Voilà, c'est tout. Allez, on va continuer à manger quand même. Voilà. Donc aujourd'hui on était par là. Voilà. C'est sympa quoi. Tranquille par là.